Nous voici de retour dans l'émission Face à la presse. Vous regardez ETV. Cette émission est diffusée également sur MyTV Caraïbes. Elle est faite en partenariat avec la presse locale et la presse numérique. André Jean Vidal, journaliste, est présent. Je vous laisse embrayer sur la première question de cette deuxième partie d'émission. Et si on parlait chlordécone ? Parce que c'est quand même vous qui êtes à l'origine de cette affaire, de ce dossier. Vous avez fait, vous avez déposé plainte il y a combien d'années ? 2006, 23 février 2006. Voilà, il y a 16 ans. Il y a 16 ans, vous avez déposé plainte. Où en est-on 16 ans après ? Eh bien, 16 ans après, il y a eu une longue période où on n'en entendait pas parler, puisque nous en étions les seuls à ferrailler là-dessus. Et depuis quelques temps, il y a un frottillement et tout le monde parle de chlordécone. L'enquête a effectivement avancé et moi, je voulais quand même, quoi qu'on dise, saluer et rendre hommage aux magistrats qui ont fait un travail formidable. On peut dire ce qu'on veut. Mais si ces magistrats, il y a eu trois binômes qui se sont succédés, puisque c'est toujours deux personnes et c'est souvent des femmes qui ont été attelées à ce dossier-là, et elles ont fait un formidable travail d'investigation. Vous êtes en train de nous dire que ça prend de l'ampleur, que ça aujourd'hui, avance. Aujourd'hui, on sait tout sur le chlordécone. Mmh. Le dossier que moi j'ai, puisque beaucoup ne l'ont pas parce qu'ils n'ont pas accès en raison du secret de l'instruction, mais le dossier que j'ai, et heureusement que c'est sur les CD, mais ce que j'imprime, c'est, ça remplit une armoire au cabinet. Donc, sur le chlordécone, on sait dans quelles conditions on a accordé l'autorisation initiale après l'avoir refusée. On sait aussi comment on a accordé une dérogation et comment des entreprises pervertes ont contourné la dérogation pour les avoir autorisées à écouler leur stock. Certains ont renouvelé leur stock sous prétexte qu'ils avaient mal compris la dérogation. Ils avaient pensé que c'était l'autorisation de n'importer plus. Alors de continuer d'importer, alors qu'en voilà, fait, c'était écoulé ce qui était déjà sur le territoire. Ce qui était sur le territoire. Et donc, il y a ça. On sait déjà les actions menées par diverses personnes qui ne sont pas que des, comme on dit, que des béquets, parce qu'on a tendance à vouloir raciser ou en tout cas ethniciser cette affaire-là. Ce n'est pas qu'une affaire de blanc contre noir. Il y a eu des gens de toutes couleurs qui ont fait du lobbying pour le chlordécone. Il y a eu des Guadeloupéens, Martiniquais, Bontais. Des élus, il faut le dire. Qui ont fait du lobbying parce qu'à l'époque, il fallait sauver la banane guadeloupéenne, sauver les emplois. Et au niveau de l'État, ça allait sauver la balance commerciale de la France. Et puis comme on sait, il y a des sociétés qui finançaient les campagnes électorales. Alors, je ne me hasarderai pas. Ça c'est à moi dire qui me hasarde. Qu'on fait de la corruption, donc je dis. Ça c'est moi qui me hasarde. Ce que je dis, c'est que le chlordécone a été agréé en Guadeloupe et en Martinique et son utilisation a été prolongée parce qu'il y avait une demande collective, il y avait des pression de personnes fortunées, oui, mais il y a eu aussi des lobbies et de politiques qui ont cru qu'il était bon de lutter contre le charançon pour permettre à la banane guadeloupéenne et martiniquaise de résister à l'invasion de la banane dollar. Et sauver les emplois. Et sauver les emplois. Et c'est souvent ce qu'on entend, c'est beaucoup de nos plages ont été gâchées, souillées, comme un moule, par exemple, par des hôtels qui ont bénéficié de la défiscalisation et après sont tombés en ruine, puisque les actionnaires des SNC n'avaient rien à cirer de la Guadeloupe, mais ils avaient à toucher leurs gains fiscaux. Donc le chlordécone a été à un moment une sorte de crime systémique. C'était un système à un moment donné qui voulait qu'on pollue sans penser aux hommes, qu'on pense au fric, sans penser à la santé. Et donc c'est ce qui nous fait aujourd'hui que nos sols sont empoisonnés pour 700 ans et nous-mêmes, 92% des Guadeloupéens et Martiniquais ont du chlordécone dans leur sang depuis le cordon ombilical. Vous attendez quoi de cette procédure ? Donc je disais que les juges ont fait un formidable travail et on peut craindre aujourd'hui qu'au-delà des investigations, que cela se termine en autre boudet et qu'il y ait un non-lieu, mais moi je ne me résigne pas. C'est à cause de la prescription. Voilà, je ne me résigne pas à ce qu'on nous oppose la prescription, car c'est, comme disait le doyen Carbonnier, qui est un pont en droit en France, il dit que le droit est flexible. Il y a la règle de droit, il y a la loi, il y a l'esprit de la loi. Et entre la loi et l'esprit de la loi, il y a encore de la place pour l'intelligence. Donc nous allons intelligemment nous battre pour démontrer que les délits et crimes liés au chlordécone sont intemporels, puisque c'est pour 700 ans. Donc tous les systèmes en place seront achevés que le chlordécone continuera à sévir. Donc ne nous parlez pas de temps. Le chlordécone est hors du temps.
Donc on va aussi démontrer, comme la Cour de cassation a déjà posé les jalons, que lorsque un crime a été occulté, on ne peut pas reprocher aux victimes de n'avoir pas agi à temps, puisque les victimes ne savaient pas qu'on les empoisonnait. Donc la prescription ne peut courir qu'à compter du moment où on commence à le savoir. Or, le chlordécone, ce n'est qu'en 2005 que l'État a pris la première mesure pour interdire la pêche à Capesterre où on pêchait en eau chlordéconée, du poisson chlordéconé qu'on vendait au bord de la rue et que tout le monde achetait, y compris des fonctionnaires de l'État qui se rendaient à Bastel, qui s'arrêtaient pour acheter le poisson chlordéconé. Donc s'ils savaient, eux, avant 2005 et qu'ils n'ont rien fait, c'est encore criminel. Mais si ce n'est qu'en 2005 qu'ils se rendent compte qu'on empoisonne le peuple guadeloupéen et martiniquais, il ne peut pas, en 2006, être trop tard pour agir. La Cour de cassation dit aussi que lorsque le crime ou le délit était occulte ou occulté, ce n'est que lorsque les parties civiles étaient en mesure d'agir, lorsqu'on a découvert que... cette jurisprudence a été récemment appliquée dans une affaire où des associations de défense de l'environnement ont porté plainte pour des déchets qui avaient été stockés en un endroit de façon illicite. La Cour de cassation a cassé l'ordonnance de non-lieu en disant qu'on ne peut pas reprocher aux associations d'avoir agi trop tard alors que ces déchets avaient été enfouis et dissimulés. Donc la prescription commence à partir du moment où on le sait. À côté de la découverte, à côté du moment où on sait. On ne peut pas être en retard alors qu'on ne savait pas qu'il fallait agir. Donc nous allons défendre cette position-là. Là, le juge n'a pas encore rendu l'ordonnance de non-lieu, mais on peut s'y attendre car personne n'a été mis en examen. Il y aura peut-être une ordonnance de non-lieu. Nous allons en interjeter appel. Nous ferons la quête pour aller à Paris pour payer les billets parce que moi, contrairement à d'autres, je travaille gratuitement dans ce dossier depuis tantôt. Donc nous irons à le bâtonnier Islain était allé avec moi parce que cette plainte aurait pu être classée depuis 2007 puisqu'on nous a opposé l'irrecevabilité de notre plainte et c'est lui et moi qui sommes partis à Paris avec mon confrère Jean-Claude Durimel qui avons plaidé, défendu et la Cour d'appel de Paris a cassé cette volonté du procureur de classer l'affaire et a ordonné au juge instructeur de continuer les investigations. Donc cette enquête, j'en suis satisfait, même si aujourd'hui on ne peut pas passer à la phase condamnation. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment ça la finalité? Est-ce que c'est d'envoyer une ou deux ou cinq personnes en taule ou encore les faire payer une amende? Ça ne changera rien. Nous, c'est un combat pour des macro-politiques à l'échelle de tout le territoire antillais. Comment faire pour que nous ne puissions pas léguer aux générations de 700 ans à venir une terre chlordéconée? Donc il faut mettre l'argent qu'il faut pour faire les recherches et dépolluer mètre carré par mètre carré. C'est possible. Madame Sarah Gaspard a entamé des études qui montrent que même en récupérant des sargasses sur nos rivages, on peut les transformer en charbon actif et entreprendre un processus de dépollution. Ça va être long, mais 700 ans, c'est effectivement long. On ne va pas rester 700 ans à nous voir mourir et à décréter que le nouvel homme guadeloupéen, c'est l'homme guadeloupéen que l'on déconne. Finalement, on peut en faire quelque chose, des sargasses. Mais comment? Comme quoi dans la vie, quand on est écologiste, on doit plutôt penser en termes de réutilisation, transformation, plutôt que brûler, jeter, se débarrasser. Donc, pour moi, la démarche de Sarah Gaspard et des autres chercheurs, cette démarche, elle est positive. Donc, on se bat pour ça. On se bat pour la prévention, pour que les gens qui veulent enfanter, les couples, les jeunes couples qui vont avoir des enfants, qu'on puisse leur donner un traitement ou encore un régime alimentaire qui les mette à l'abri, car il est dit que si on consomme pas de chlordécone pendant 5 mois, la dose qu'on a dans l'organisme peut sortir, peut s'estomper. Donc comment faire pour que les jeunes couples soient mis à l'abri, pour que leurs enfants ne soient pas chlordéconés depuis le cordon ombilical? Donc c'est des réponses macro-politiques que nous attendons et nous avons le sentiment que par notre mobilisation, par l'action juridique et judiciaire, nous allons y parvenir, mais notre but, ce n'est pas de faire chacun avoir 10 000 euros dans la poche et continuer à avoir son cancer. Ce n'est pas le sens de notre combat. Donc, vous travaillez bénévolement, entre guillemets, pour le sport, pour l'histoire? Non, mais c'est ma nature. Oui, c'est bien. C'est bien, oui. C'est un militant. Et ce que je peux donner à mon militantisme, c'est mon expertise juridique. Vous n'avez pas de clients dans ce dossier-là? Non, j'ai pas de clients et les clients, c'est pour les autres qui viennent faire de la pub et qui disent « Allez, donnez-nous 150 euros et nous allons vous obtenir 20 000 euros. » Et malheureusement, ils n'ont rien obtenu. Mais celui qui a pris 150 euros par personne avec 1240 clients, eh bien, c'est 120 000 euros d'honoraires. J'ai jamais touché ça ni dans le dossier chlordécone, ni dans aucun dossier. Un avocat a fait ça? Dans aucun dossier, oui. J'ai vu la pub. J'ai lu la publicité qui circulait. On demandait aux gens cotiser 100 ou 150 euros et on vous promet 20 000 euros de préjudice d'anxiété. Et le tribunal administratif de Paris a dit, l'État, on peut dire
que l'État a commis des fautes de négligence, mais de là à dire que votre anxiété est liée à cet empoisonnement, vous ne le prouvez pas, donc vos requêtes sont rejetées. Et donc, on leur propose de faire appel. Je suppose que ça va être 100 euros encore par personne pour faire appel. 100 euros multiplié par 1240, ça va faire encore un magot, un pactole pour un avocat. Moi, je trouve que quand même, nous qui avons prospecté, nous qui avons créé ce champ d'investigation, puisque maintenant, on peut considérer qu'on a offert du chiffre d'affaires à des avocats de passage. Et pour moi, là, c'est un peu abject. André-Jean Vidal. Le CAC. Si on parlait du CAC. Le CAC, c'est chez vous. Oui. C'est chez vous. Oui. Mais ce n'est pas votre bâtiment. C'est en face de la mairie. C'est pas votre sol. C'est ma friche. C'est votre friche quand même. Oui. Je l'ai dans la vue tous les matins. Et oui, c'est ça. Et je ne peux pas m'accommoder de ça. Voilà. Moi, et donc, alors, il y a eu, donc, y a eu une avancée quand même. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu une avancée. Ben, vous savez, ça fait près de 10 ans qu'on annonce chaque année l'inauguration du Centre des Arts. L'ancien maire, à Chalamet, de chaque élection. L'inauguration du début des travaux. Voilà, oui, même ici, hein, d'en face à la presse, à chaque fois, on y avait le droit. Oui, j'ai trouvé des journaux, l'ancien employeur d'André-Jean Vidal, qui annonçait à la veille de chaque élection l'inauguration du Centre des Arts. Donc, nous, on veut sortir de cela, de cette manipulation où on fait des bonnes déclarations, il n'y a rien qui se passe, puisque moi, j'ai présidé une commission, un comité de pilotage du Centre des Arts la semaine dernière. Et ce qui m'est apparu, c'est que, effectivement, Cap Excellence avait confié à de nouveaux maîtres d'œuvre la réflexion pour voir comment optimiser le bâtiment en état avec un coût de travaux qui serait moindre, mais finalement on est toujours dans la même zone que les 9 millions d'euros qu'on estimait être nécessaires pour que ce bâtiment soit achevé. Donc 17 millions déjà payés, il manquait 22 millions. Aujourd'hui, il nous manquerait pas 22 mais 18 millions, puisqu'on nous dit qu'on va faire deux tranches de travaux, 9 millions et quelques, deux fois. Une première tranche qui permettrait d'utiliser une salle basse et un autre espace d'accueil et qu'on soit fonctionnel une année plus tard. Et une deuxième phase dans un autre temps, donc en tout 18 millions qui viendraient s'ajouter aux 17 millions. Alors sur combien de places justement à peu près, une salle de combien de places? Ben, la première salle qui va être ouverte, on vise 200 personnes, 200-300 personnes pour fonctionner dans un premier temps. Mais tout cela, c'est bien beau sur le papier. La question, c'est de savoir où est l'argent. C'est pour des réunions de patronage, ça. Où est l'argent? La question, c'est qu'aujourd'hui, c'est zéro place. Donc, quel que soit ce qui est proposé, nous ne sommes preneurs. Alors, on a reçu ici Michel Madot qui nous a dit, justement, sur ces histoires de places, 300 places, est-ce qu'il y a une rentabilité derrière? Moi, je pense que c'était, pour moi, un fiasco. Ce qui a été... On a gâché le Centre des Arts. Nous avions un petit Centre des Arts qui avait sa fonction, qui a tellement joué son rôle qu'on y est attaché viscéralement. Ça nous manque le Centre des Arts. Donc, en voulant faire un bâtiment pharaonique, on a tout gâché, puisque comme souvent l'ex-majorité municipale entamait des choses sans compter. Ils sont restés tellement longtemps qu'ils avaient fini par croire que la ville leur appartenait et qu'ils pouvaient faire tout et n'importe quoi sans se demander d'où viendrait l'argent. C'est pour ça que la fiscalité aujourd'hui à Pointe-à-Pitre est confiscatoire. Alors justement, c'était les enjeux électoraux aussi, c'est qu'on s'est aperçu que beaucoup d'organismes quittaient Pointe-à-Pitre. Donc il n'y a plus de Centre des Arts, la police a déménagé, la sécurité sociale, la poste. Est-ce que maintenant, dans le nouveau projet que vous portez, est-ce que justement pour augmenter cette fiscalité, faire revenir ces sociétés, c'est maintenant impossible, non? Et comment? Mais nous espérons vraiment que grâce au dispositif Action Cœur de Ville, où il y a environ 112 à 120 projets qui vont se développer à Pointe-à-Pitre, vous avez vu que les galeries Nozières sont en cours de démolition à l'angle de la rue Gambetta et Nozières, vous avez vu qu'un certain nombre de projets sont déposés à Pointe-à-Pitre, et j'ai bon espoir, moi, que dans les 3 années à venir, Pointe-à-Pitre sera en chantier et on commencera à inaugurer en 2024-2025. Donc, et la ville a un potentiel qui est sa centralité. Tout le monde vient à Pointe-à-Pitre, tout le monde converge vers Pointe-à-Pitre. Donc, on ne perdra pas tout. La sous-préfecture y est restée, le tribunal y est resté, et nous avons un certain nombre d'investisseurs qui vont créer de l'activité à Pointe-à-Pitre. Samedi, on va inaugurer la première station de vélo électrique à Pointe-à-Pitre. Donc, tous ceux qui veulent attacher à la mobilité douce pourront déambuler à Pointe-à-Pitre et laisser leur voiture en périphérie. Donc, pour finir sur le Centre des Arts, qui est aussi un point d'attraction à Pointe-à-Pitre, le Centre des Arts, moi, je souhaite qu'on passe une convention avec les occupants
Parce que pour l'instant, ce qu'on nous promet, c'est un peu la lune. À dire que l'État va mettre 1,8 million, la région 1,8 million, le département 1,8 million et le fédéral 1,8 million. Mais on est loin des 18 millions. Le calcul qui est fait, c'est que ces 18 millions sont répartis entre tous les bailleurs sociaux, d'abord par 9 millions. 9 millions qui seraient divisés en un apport de 1,8 million et quelques de la région, de l'État, de Cap Excellence et du FEDER, le Fonds européen de développement régional. Donc, moi, ma seule réserve, c'est qu'on n'a même pas un commencement de promesse d'accorder ces subventions. On met ça sur le papier et on dit les travaux commencent le mois prochain, alors que en gestion administrative, vous ne pouvez inscrire une recette que si vous avez une réponse du bailleur de fonds. Celui qui vous a promis de vous donner 1,9 million, vous l'inscrivez et après vous faites les démarches pour concrétiser la promesse. Mais rendre public que le centre des arts va ouvrir alors qu'on n'a même pas encore demandé les subventions qui constituent ce plan de financement de 9 millions d'euros, c'est ne pas dire la vérité aux Guadeloupéens et au point 3. Et c'est pour ça que, de ce point de vue, je me suis désolidarisé de mes collègues en leur disant, même si vous dites que ça va commencer en 2023, nous ne pouvons pas continuer à ignorer l'existant. L'existant, c'est qu'aujourd'hui, ce chantier est occupé par des artistes qui s'appellent les artistes en résistance. On ne peut pas faire comme s'ils ne sont pas là. Ils sont parvenus à s'imposer comme des partenaires parce que je vois que même des élèves, des écoles, des touristes vont visiter ce chantier. Il paraît que c'est illégal. C'est illégal. C'est dangereux. C'est illégal et dangereux. Donc, moi qui suis maire, je ne peux pas aller sur le terrain. J'ai des amis artistes qui disent « Harry, t'es jamais venu nous voir ». Mais imaginez que j'aille visiter ce squat, puisque c'est un squat, et qu'on me prenne en photo. Et que dans un procès, puisque Cap Excellence annonce des procédures pour les évincés, si dans un procès intenté par Cap Excellence contre les occupants, on met dans le dossier de plaidoirie la photo du maire comme étant une sorte d'agrément, quoi. Le maire vient, le maire cautionne cette occupation, je serai mal. Donc je préfère résister à l'envie qui me prend d'aller voir les belles œuvres qu'on me dit et qu'il y a à l'intérieur. Je suis un militant, je suis Harry Durimel Écolo tout, mais en tant que maire, j'ai une fonction, je suis le premier magistrat de la ville, je suis officier de police judiciaire, je ne peux pas me permettre de commettre une telle erreur. Il faudrait mettre une visite virtuelle, en fait, peut-être. Non, alors, j'espère qu'on va passer une convention et que cette convention permettra qu'on sache qui est responsable de quoi. Et là, j'irai visiter bien volontiers. Et s'il y a une convention, donc on légalise l'occupation. Et donc, à ce moment-là, il va falloir remettre l'électricité qui a été supprimée. La convention va prévoir tout ça. La convention va prévoir que si vous voulez mettre de l'électricité, vous mettez vous-même, et ça a un prix. Il y aura certainement aussi une sécurisation des lieux, des endroits où ils pourront aller, recevoir du monde, pas aller, etc. Ce n'est pas ce que j'ai proposé. Ma proposition, ce n'est pas de prendre en charge l'occupation actuelle. C'est de faire avec, de constater qu'il y a des citoyens, des Guadeloupéens et autres qui sont sur place, qui exposent eux-mêmes et d'autres à un danger, qui a des nuisances puisque le foyer derrière a porté plainte, les résidents se sont plaints de nuisances nocturnes, donc nous ne pouvons pas rester là et regarder ça. Donc ce qu'on souhaite, c'est que les occupants prennent leurs responsabilités. Vous ne pouvez pas être des occupants qui se contentent de donner des leçons aux politiciens, les mépriser, les insulter, et que vous-même, vous êtes dans la passivité. Donc, il faut une responsabilisation des occupants. J'ai eu la réponse, on m'a dit qu'il y a une association. Donc, on a un interlocuteur qui est une personne morale, qui, le problème que me dit un ami architecte, c'est que s'agissant d'un chantier, ils n'auront jamais une assurance. Donc, ça va rendre impossible l'occupation, parce que sans assurance, personne n'est responsable. Là, je viens visiter, je suis invité par, je ne vais pas te dire des noms, que je connais bien, je me casse une jambe. Eh bien, votre hôte vous prendra en charge parce qu'il vous a invité. C'est pas la responsabilité du maire, comme c'est sur Mais le maire, il y a des panneaux partout disant que l'accès à ce chantier est interdit. Donc, si vous y rendez, vous êtes en effraction. Vous vous mettez en effraction. Donc, il faut que je me débrouille avec les autres. La jurisprudence est constante. Lorsque vous vous êtes causé un préjudice par une faute de vous-même, vous êtes responsable de votre propre errement. Donc, je peux attaquer les occupants. Vous attaquez déjà vous.
d'être allé là, d'être allé dans un endroit non sécurisé. C'est certainement, je vais le regretter. Mais si vous faites une convention quelque part, vous reconnaissez l'occupation. C'est pas sur l'objet, c'est ce qu'on me dit, c'est ce que m'ont opposé mes collègues qui n'ont pas voulu voter cette convention. Non mais juridiquement, c'est cher maître. La loi dit que la convention tient lieu de loi entre les parties. Je ne vais pas signer une convention dans laquelle je vais dire, par cette convention, je reconnais votre, la licéité de votre présence. Je vais mettre dans cette convention un préambule qui dira que vous occupez le centre des arts de manière illicite, que vous l'occupez à vos risques et périls, que cependant vous faites venir des tiers sur ce site qu'il convient de définir les responsabilités, que, article 1, les artistes en résistance reconnaissent occuper à leur risque et péril le centre des arts. Article 2, le collectif ou l'association est assuré contre les risques Y, Z et Z prime. Et tout va être clair, mais pour l'instant, c'est l'omerta, c'est le maquis, c'est l'anonymat. S'il arrive quelque chose, on viendra demander au maire pourquoi vous n'avez pas barricadé le centre des arts. Alors pourquoi vous n'avez pas barricadé le parce que c'est pas chez lui. Parce que le chantier appartient à Cap Excellence. Oui, d'accord. Il dit l'avoir sécurisé par des panneaux et une petite clôture qui a été vite écartée pour y pénétrer. Donc maintenant, ça appartient à Cap Excellence. Oui, et Cap Excellence, selon ce qui me parvient, a fait délivrer des sommations aux occupants pour quitter les lieux. Donc Cap Excellence est mis à l'abri. Vous êtes là parce que vous n'avez pas déféré à la sommation. Donc, Cap Excellence n'est pas là, le président Jalton, il n'est pas non plus né de la dernière pluie. Non, il est aussi prudent que vous. Voilà, il n'est pas né de la dernière pluie, il a déjà fait savoir aux occupants que vous êtes là, vous risquez péril et dégagé. Donc, il ne porte pas, et moi je ne souhaite pas non plus que ça se termine non plus en confrontation générale avec les forces de l'ordre et tout, puisqu'il y a quand même une compréhension de l'exaspération pour les artistes de 12 ou 13 années de paralysie du Centre des Arts. Et moi, je pense que les personnes qui ont créé cette situation, les artistes en résistance, devraient plus que ça les mettre en cause. Or, je constate que l'ouverture de l'occupation, ce sont ces personnes qui ont tué le Centre des Arts, qui sont montées sous les estrades, aller faire des discours hypocrites. Vous parlez de qui exactement ? Mais l'ancien maire de Pointe-à-Pitre était sous les estrades, a appelé les gens à manifester pour sauver le Centre des Arts, qu'il a tué. Et j'espère que le parquet national financier va accélérer l'enquête qui est en cours pour savoir où sont passés les millions d'euros qu'on a payés. C'est un projet qui devait coûter 17 millions d'euros, qui aujourd'hui est évalué à 32 millions d'euros. Alors vous qui avez accès justement au compte maintenant de la ville, puisque vous êtes maire, où est passé cet argent ? Eh bien, lorsque l'argent n'est pas utilisé à bon escient, généralement on ne sait pas où il est passé. Donc, expliquez-nous ça exactement, comment ça fonctionne. Il y a des comptes à rendre, il y a un trésorier. Oui, il y a le comptable public, la règle de la séparation. Donc, la règle de la séparation. C'est difficile d'emporter de l'argent comme ça. Mais moi, je ne dis pas qu'ils ont emporté l'argent. Non. Je n'ai jamais dit ça. C'est pour ça qu'il faut le préciser. Il faut préciser parce que je n'ai jamais dit que l'ancien maire est parti avec 22 millions. Je dis que le projet a été estimé au départ à 17 millions d'euros. On a déjà payé 17 millions d'euros. Le centre des arts devait être achevé. Donc, au départ, il y a eu Mais alors, cet argent est bien parti quelque part. Non, vous ne parlez que d'argent. Je parle d'estimation. L'estimation. Le projet a été estimé à 17 millions d'euros. Aujourd'hui, on a déjà dépensé 17 millions d'euros et le projet est loin d'être achevé. On a mal estimé Donc, au départ. Donc, deux choses. Soit on a mal estimé au départ, que la personne qui vous a dit 17 millions, vous a dit 17 millions tout simplement pour emporter le marché et battre les autres en disant « moi, je le ferai à 17 millions d'euros ». Il s'est bombé le torse en disant « je vous donne un super centre des arts ». Ça a écrit là, son entreprise. Et finalement, ce n'est pas 17 millions, c'est 39, mais 32 millions. Alors, on nous dit qu'il il manque 22 millions. Donc, c'est 39 millions d'euros pour l'achever. Et en tout, on a déjà dépensé 17, il manque 22. Donc, les frais d'architecte. Plus du double, en fait. Les frais d'architecte qui devaient coûter environ 1 500 000 euros sont aujourd'hui à 4 millions d'euros. J'ai proposé qu'on attaque cet architecte. Mais qu'est-ce que l'architecte a dit à l'ancienne équipe ou à la nouvelle équipe ? Ils disent que oui, les surcoûts, les normes sismiques et que les nouvelles normes, la découverte d'un sol différent et tout, tout cela a fait que les coûts se sont amplifiés. Mais j'ai demandé qu'on lui fasse un procès, car il nous a promis un centre des arts à 17 millions d'euros et aujourd'hui c'est le double. C'est des plans seulement. Et pardon ? C'est des plans. Non, c'est un architecte à cabinet Babel avec un architecte qui vient de Paris et avec lequel on a rompu puisque j'ai vu que c'est une nouvelle maîtrise d'œuvre qui nous a fait cette nouvelle proposition de nouvelle programmation.
Donc le Centre des Arts est un gouffre financier, un gouffre qui a résulté de l'imprévision, de l'incapacité de l'ancienne équipe municipale à estimer les choses et à s'en tenir au financement disponible. C'est ce qu'on nous propose encore. On nous propose de faire démarrer les travaux alors qu'on n'a même pas des promesses de financement. Donc il faut rester raisonnable et ne s'engager que lorsque l'argent sera sûr. Au moins, des échanges que j'ai avec des représentants de l'État, de la région, personne ne semble vouloir vraiment s'investir sur le Centre des Arts parce qu'on considère que le Centre des Arts n'est pas dans un endroit où ça peut être rentabilisé et il faudrait faire que des concerts à 100 euros la place pour pouvoir payer après le coût de 500 Arts. Déjà maintenant, quand on fait des concerts à 2000 places, c'est pas rentable. À 3000 places, c'est pas rentable. Sauf si on fait payer 700 euros la place. Oui, mais non, mais c'est pas possible. À 380 places, ça va être quoi le billet? Mais non, mais c'est pas possible. Est-ce qu'il aurait pas mieux valu mettre un parking? Être malheureux, se dire quand même, le Centre des Arts que j'ai bien connu, verser une larme, démolir, faire autre chose là et puis construire ailleurs. Mais c'est trop tard, c'est ce qu'on a dû faire à l'origine. Au départ. Mais il est peut-être encore temps parce qu'il faut trouver 22 millions d'euros. Oui, mais il y a eu tellement de dépenses déjà. Combien il y a eu de dépenses déjà? Moi, je ne dirai jamais ça, que les 17 millions d'euros donnés par les contribuables guadeloupéens. Mais il faut encore donner 22 millions. Mais non, mais c'est impossible maintenant. On ne peut pas écraser. Moi, je pense qu'il faut s'associer au privé. Et dans la nouvelle programmation, on parle d'impliquer les privés, on parle d'offrir des terrasses à des restaurateurs, à des commerçants dans l'artistique et le culturel pour pouvoir louer des espaces et pouvoir rentrer de l'argent pour achever la deuxième phase. Il faut faire Beaubourg, il faut faire le musée d'Orsay. Voilà. Donc, avec des Il y a déjà un musée. Boutiques, avec, non, il n'y a pas de musée. Mais moi, je ne pense pas que c'est complètement ingérable. Non. Un chantier inachevé, puisqu'on a vu ça dans d'autres villes d'Europe. Oui. On a vu des artistes prendre en main des chantiers, proposer des solutions. On appelle ça des friches. Oui, il y a eu en Allemagne, par exemple. Absolument. Il y a eu des exemples où des artistes, en résistance, ont proposé des choses pour faire vivre l'endroit. On s'est non pas rester qu'à critiquer, qu'à gêner. Et à cracher sur les élus. Vous parlez d'Allemagne de l'Est. Il n'y a pas que l'Allemagne de l'Est, en Allemagne de l'Ouest, en Allemagne maintenant, puisqu'il n'y a plus Est et Ouest, il y a une productivité artistique qui peut jaillir de cette occupation. Et c'est à cela que je voudrais qu'on puisse, vers ça que je voudrais qu'on tende. Mais on est crispé, on se dit que si on passe une convention, on va légaliser, donc on ne parle pas à ces gens-là. Me disent, tu veux proposer une convention, il est temps qu'on les foute dehors, mais aucun d'entre eux ne sera là pour aller les mettre dehors. Donc moi, je pense qu'il faut être raisonnable, il faut regarder cette situation en face, savoir que ce sont des êtres humains, des citoyens, et qu'on doit leur parler. Une dernière question. Et la Renaissance? Ah, la Renaissance. Parce que je vous invite demain après-midi. Parce que, oui, je viendrai, nous viendrons, mais parce qu'il y a eu la maison de Saint-Jean-de-Perse, il y a la Renaissance. Voilà. Mais on a garanti que la façade serait reconstruite à l'identique. Voilà. Et c'est l'État qui paye. Donc, vu de face, ça sera comme avant. Ça sera comme avant, puisque on a un bailleur de fonds qui est l'État, et à ce que je sache, l'État français n'est pas en faillite. Donc, l'État français a promis de reconstruire la façade dès la fin de la démolition, et ça va commencer là d'un moment à l'autre. D'ailleurs, le préfet Rochat suit le dossier particulièrement, puisque chaque fois, il est venu sur place. Et le sous-préfet participe à toutes les réunions que nous avons dû orchestrer pour faire qu'on libère la place de la Victoire. Il faut dire que c'est à côté de la préfecture. C'est peut-être parce que la maison Saint-Jean-de-Perse les a un peu... C'est son petit quartier, il y a le tribunal. Non, mais c'est dans le quartier de la sous-préfecture. Mais aujourd'hui, la place de la Victoire, on va avoir un coup de main de l'État pour la requalifier. Le cinéma Renaissance, l'État va reconstruire la façade parce que c'est situé en face du pavillon, autre monument classé. Donc l'État, Cap Excellence et la ville de Pointe-à-Pitre se sont ligués là pour redorer l'image de la place de la Victoire. La préfecture, la sous-préfecture va être en travaux pendant 2 ans. La Renaissance, on présente demain l'investisseur qui va nous reconstruire un cinéma avec 5 places et d'autres salles vouées à d'autres activités artistiques et culturelles. Mais il y aura plusieurs salles, dont une à 200 ou 300 places et des petites places à 50, à 80 places. C'est un cinéma, mais c'est aussi, ça sera un lieu de théâtre, de création artistique, un multiplex. Ouais. Donc demain, ça sera la Renaissance de la Renaissance. Très bien. Bien, merci pour ces derniers mots pour l'émission Face à la presse sur ETV. On vous réinvitera régulièrement, bien sûr. André-Jean Vidal, une petite promotion de la presse numérique. Oui, nous avons fait un joli dossier sur les habitudes de consommation des Martiniquais qui ont changé. C'est fait par Calistat.
Et Vincent Tacita de Calistat m'a dit que vraisemblablement tout ce qui s'est passé en Martinique avec le confinement et tout, en termes de changement d'habitude de consommation, ça peut être calqué pour la Guadeloupe aussi sans aucune difficulté, ce qui fait que ben, les gens vont, malgré que tout soit rouvert, moins au cinéma, vont moins dans les restaurants, préfèrent rester chez eux, cocooning. Je vous accueille chez moi plutôt que d'aller déjeuner quelque part et on se sentira mieux. Plutôt que d'aller à Porto Rico, à Axstad ou ailleurs, selon nos moyens financiers, nous resterons en Guadeloupe et j'emmènerai ma petite famille visiter le Moule ou visiter Basse-Terre. Et découvrir le pays, c'est vacances au pays. Voilà. Super, voilà. Ce sont les nouvelles habitudes des Martiniquais et il semblerait que ça soit transposable en Guadeloupe. Pays. Absolument. Voilà. Bien, mais, donc on peut retrouver le magazine sur quelle adresse? On peut retrouver le magazine sur lhebdoantiguyane.com. Ok, bien. Merci, voici, c'est la fin de cette émission. Retrouvez-la sur replay sur le site internet de la chaîne ainsi que sur replay.gp. Cette émission, bien sûr, est diffusée en direct sur Facebook et vous pouvez la retrouver, bien sûr, sur Canal Satellite, Orange TV et SFR Numéricable. Retrouvez également cette émission sur MyTV Caraïbes. Voilà, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine.